Le début de l'exposition va démarrer par une salle d'immersion où il y aura une dizaine de vidéoprojecteurs qui vont projeter dans l'espace des espèces microscopiques que les enfants vont être amenés à découvrir. Le jeu qu'on va leur proposer, en fait, c'est d'aller les chercher avec la main pour découvrir ce que sont ces petites espèces. Oh, un copépode, cyclope. Voilà le cyclope de l'exposition. Tout le monde va admirer des espèces qui se projettent sur ses petits camarades, essayer de les prendre avec la main, comme s'ils voulaient les emmener avec eux dans l'exposition. Là, parmi les programmes sur lesquels on est en train de travailler, on a simulé un bathyscaphe qui descend des grandes profondeurs. On aura un écran assez généreux, devant lequel il y aura un joystick qui permettra aux visiteurs de descendre vers les grands fonds marins jusqu'aux abysses les plus profondes, et donc de découvrir des espèces qui viennent comme ça au premier plan et qui sont des êtres absolument incroyables. Moi, je ne les connaissais pas. Des poissons, des méduses, des calamars de toutes les couleurs. Des poissons absolument incroyables avec des formes folles.